coucou les amis, aujourd'hui petite vidéo sur un chemin 4x4 vraiment basique mais avec un panorama que je trouve vraiment magique. Vous êtes pas mal à m'avoir contacté pour que je vous emmène rouler. Honnêtement, je me souviens pas de tout le monde, donc envoyez-moi un message à b74antoine@gmail.com pour me donner vos dates, quand vous êtes là, quand vous pouvez rouler. Parce que cette année, honnêtement, vous êtes une dizaine et je me rappelle pas de tout le monde. Entre les messages que je reçois et les demandes, je suis un peu perdu. Et je dois dire que ma santé cette année, c'est un peu compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un rappel, ça m'aidera beaucoup. Ce chemin, je le trouve vraiment, vraiment magique. C'est un chemin 4x4 qui est pour le coup accessible à tout le monde. Il y aura la trace sur Strava, elle s'appellera VTT 11. On est au Contamine-Montjoie. Regardez un petit peu la vue, comme c'est beau. Et là, c'est le chemin de la Colomba. Colomba, Colombaz, ça dépend comment on prononce. Il y a juste à savoir maîtriser son freinage et à savoir rouler dans le gravier et la caillasse qui saute dans tous les sens. Je dirais pas que c'est pour le premier venu, mais bon, pour quelqu'un qui sait descendre du chemin 4x4 de montagne, ça passe tout seul. Comme les chalets sont beaux, c'est vraiment beau. Là, c'est un coin qui est vraiment magique. C'est hyper rafraîchissant ici. C'est vraiment très très beau. Et de l'autre côté, on verra rien. C'est vraiment très très beau quand il fait chaud. Tu descends au bord de l'eau, t'es bien, t'es tranquille, c'est apaisant, c'est très très agréable. Ah, mon rêve ultime, ce serait d'avoir un chalet. Un chalet dans les alpages. Que je puisse y aller régulièrement. Et avec un petit 4x4 pour pouvoir monter partout. C'est vraiment un rêve. Là, t'as un chemin qui part à droite. Les trappes le jouent. Mais la montée de l'autre côté, elle est vraiment sévère. Encore un petit torrent tout en pierre, tout joli. Regardez comme c'est beau quand même. Ils sont en train de faire les foins là. Regardez un petit peu tous ces panoramas. C'est vraiment super beau. Là, il y a deux chiens. Bonjour.
Regardez le chalet à droite. Ça me fait rêver. Un petit chalet de montagne comme ça, avec une source à côté, ce serait top. Regardez comme c'est beau. Tu vois que t'es vraiment en période touristique. Il y a beaucoup de on n'a pas dit bonjour, qui n'a pas dit bonjour. Là c'est pareil, c'est un coin magique. Avec des petits chalets à droite. C'est vraiment un petit écrin de paradis. Vraiment sublime quoi. Là on est en face du signal mais sur l'autre versant. Pas le signal, les trappes. L'étape quoi, s'il vous plaît. Et là, on est au resto de la Colomba. Moi les amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Abonnez-vous. Et là, ben, pour le moment, j'ai pas de vidéo. J'avais jamais vu qu'il y avait un trou aussi gros là. Pour le moment, j'ai pas de vidéo parce que j'ai pas de nouvelles sorties. Comme ma santé, j'ai une nouvelle maladie depuis un mois qui est assez délicate et qui m'amène pas mal de problèmes en plus des deux autres. Donc du coup c'est un peu délicat pour moi, donc je pense que cette année j'aurai pas beaucoup de rando, de vrais rando quoi. Voilà, bon bah écoutez, prenez soin de vous, à bientôt et abonnez-vous.